dans deux heures, Europe 1 va battre au rythme de votre cœur, puisque c'est vous qui impulsez la dynamique de cette émission, en nous parlant de votre vécu, en le partageant avec d'autres auditeurs. Alors si vous voulez témoigner ou réagir à une histoire, vous pouvez le faire à tout moment au 39-21. Et jusqu'à 1h, vous serez accueillis ce soir par Justin et Assiba, avec la complicité de Philippe Chartier qui réalise cette émission. Vous pouvez également nous faire part de vos remarques, de vos suggestions par courriel sur le site europe1.fr ou par SMS au 7-21-21 en commençant vos messages par le mot « nuit ». 39-21, je vous attends. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Allez, un petit clin d'œil amical à Angie, qui est une très fidèle auditrice de l'émission, qui a un petit coup de cafard ce soir. Alors j'espère que ça va lui faire du bien de nous écouter, de se sentir entourée comme ça par la famille de la nuit. On l'embrasse en tout cas bien fort. Bonsoir, je crois que c'est Nathalie qui est avec nous. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous vouliez me parler d'un homme que vous avez rencontré lors d'un stage en entreprise. Exactement. Et vous êtes resté en contact un certain temps. Voilà. En fait, pour situer l'histoire, moi, quand je l'ai vu la première fois, j'ai pensé juste qu'il n'est pas mal. Mais il n'y avait rien, il n'y avait aucune attirance. Après notre complicité est née au fur et à mesure. Des journées entières passées ensemble au bureau. Oui. Nous nous sommes découverts une sensibilité particulière, des centres d'intérêt communs. Et surtout du sens de l'humour. On se sentait bien ensemble, en fait. On parlait de tout, il n'y avait pas de tabou. Et un jour, j'ai constaté que je suis tombée amoureuse de cet homme et c'était pas réciproque, en fait. Mais quand même, il y avait quelque chose, il y avait une très grande complicité, mais c'est vrai que j'ai essayé de lui faire d'expliquer ça, il ne trouvait pas les mots en fait. Après bon, moi je devais partir, je suis partie. Mais quand vous dites que ce n'était pas réciproque, c'est-à-dire que vous lui avez carrément dit que vous étiez amoureuse de lui? Pas textuellement, je n'ai pas osé employer le propos, mais que j'étais... Enfin, il a quand même. Vous avez quand même été suffisamment clair pour que pour qu'il puisse vous dire que ce n'était pas réciproque. Le fait qu'il avait dit à un moment donné que j'étais dingue de lui, j'ai trouvé ça très choquant, mais j'ai dit oui, c'est vrai, mais c'est pas à toi. Ah oui, c'est quand même. Il doute. Même si oui, parce que c'est quand même un peu prétentieux de sa part de penser ça. Oui. Enfin, de vous le dire de cette façon-là, je trouve. Ah oui, parce que en fait, on était très, on se disait tout directement avec, parce qu'il n'arrêtait pas de dire que je manquais de diplomatie, que j'étais une personne trop directe. Alors du coup, il jouait à mon jeu. Mais aussi, je pense, c'était par rapport à ça. C'était pas parce qu'il était prétentieux, parce qu'il n'était pas du tout. C'était un peu de, oui, il voulait faire de l'humour, mais c'était peut-être une, C'était, vous aviez une grande complicité, donc il avait voulu faire un peu d'humour. Exactement. Après, mais il se trouve que comme vous étiez réellement amoureuse de lui, ça vous avait un peu vexé. Énormément. Énormément, mais bon, j'ai tendance à essayer d'accepter les choses telles que se présentent. On n'y peut rien, c'était la vérité. Si c'était pas vrai, peut-être que j'aurais réagi autrement, mais bon, c'était vrai. Voilà. En fait, après, je suis partie, mais j'y arrivais pas, c'était très trop dur pour moi, et j'ai pris des résolutions, pas un truc drastique, mais je l'appelais une fois par mois. Et à partir de 2011, c'est-à-dire cette année, j'avais décidé de ne plus l'appeler, de ne plus donner signe de vie, parce que je ne veux pas tomber dans le ridicule. Mais le problème, j'ai dit, bon, maintenant, c'est ou bien lui, il faut pas que je l'emmerde, ou bien c'est moi, il faut que je me prenne en charge, parce que moi, j'arrive pas. De jour en jour, j'ai aucun sens d'intérêt. Je n'appréciais pas les choses que j'avais appréciées fut un temps. Je me sens tout le temps triste. J'ai beaucoup d'activités, mais ça tourne au ralenti. Je dors énormément. J'ai pas envie de me réveiller. Je dors tout le temps. Je rate pratiquement tout ce que j'ai à faire.
J'ai toujours un sentiment, je ne sais pas d'où il sort, pourtant je n'ai rien fait, j'essaie de recenser le passé, mais j'ai un sentiment de culpabilité, envers quoi, pourquoi, je ne sais rien, je le sens tout le temps. Oui. Mon appétit a changé, moi qui ai l'habitude de manger, enfin je me goinfrais carrément, là j'ai du mal, je prépare à manger mais j'ai pas envie. J'arrive pas à me concentrer, c'est le truc le plus difficile parce que je travaille sur un truc et enfin, c'est important, j'ai des délais et tout, mais Oui. j'arrive pas. C'est pas que je pense à lui de temps en temps. J'ai l'impression qu'il est H24 avec moi, mais voilà, genre, je suis pas maso pour autant. Je me dis, il faut stop, il faut réagir. Alors j'avais décidé, ça fait début du mois, j'ai dit ok, je vais débarquer, je vais partir chez lui. J'ai envie, c'est vrai qu'on a déjà parlé de ça, mais là, j'arrive pas, j'ai envie qu'on discute. Peut-être que j'ai juste envie de le voir, je sais pas, mais j'ai envie de réagir. Mais en même temps, ce jour où j'avais pris cette décision, j'ai entendu sur la radio, il y avait quelqu'un qui a témoigné. Je me rappelle plus de l'histoire, mais c'était une personne, c'était un fil d'hiver en fait. Il est harcelé par une personne qui travaille avec lui, comptable, je me rappelle plus de l'histoire. Et là, ça m'a bloqué. J'ai dit, je ne veux pas en aucun cas ressembler à ce genre de. Je ne veux pas, je ne veux pas. Déjà, j'ai peur de sa réaction, je ne sais pas trop. Qu'est-ce qu'il va dire? Peut-être qu'il va me dire qu'on a fait le tour de la question. Je ne sais pas, mais je sais que je me sens mal et je suis face à un dilemme. Je sens un vide terrible dans ma vie et j'ai l'impression de vivre quelque chose sans espoir. Je suis convaincue. Mais le pire, c'est pas par rapport à son histoire que c'est sans espoir. C'est par rapport à ce que j'ai envie de faire dans ma vie. C'est-à-dire, j'arrive plus à me projeter dans l'avenir. Oui, Parce que. mais Nathalie, au vu de ce que vous décrivez quand même de votre état actuel, cette fatigue, ce besoin de dormir, ou si vous vous secouez pas un peu, vous dormiriez tout le temps, cette perte de l'appétit, ce sentiment de culpabilité, vous savez pas lié à quoi, mais très grand. Il y a quand même beaucoup de symptômes évocateurs d'un état un peu dépressif, hein. Donc il faudrait, je pense, quand même consulter, voir un médecin là. Médecin. Ah oui. Physiquement, non, j'ai envie de le voir lui, un Mais médecin, je oui, veux mais pas. parce que je vois bien, parce que là, ça, il y a quelque chose qui tourne. Il a été le déclencheur de quelque chose. C'est-à-dire que cet homme, au fond, il a été. Et ça sera intéressant après de comprendre pourquoi. C'est-à-dire un médecin, parce que je crois qu'il faut parler à quelqu'un, peut-être voir avoir une aide peut-être un peu médicamenteuse, c'est-à-dire par rapport à ça, Mais voir faire le point. Attendez, attendez, j'ai fait il y a le deux point, points. genre je sais de ce que je ressens, Non, j'arrive à le mais parce que qualifier. ce que vous décrivez, il y a quelque chose qui m'évoque. Oui. Un peu dans les symptômes que vous décrivez, un état de dépression. Mais j'entends ce que vous me dites de la relation à cet homme, mais cet homme, à mon avis, a déclenché, résonne avec des choses de votre histoire, évidemment, que moi je ne connais pas et vous ne savez pas en quoi. Vous vous sentez, vous êtes senti rejeté par lui. Après, oui, au début, j'ai pas Oui, pensé à c'est ça parce ça, que j'ai pas fait le point. il y a eu une très grande complicité entre vous, vous étiez très proches, et puis à un moment, on le sent même dans le fil de votre récit, c'est-à-dire, et nous-mêmes, il y a, enfin, du coup, il y a quelque chose qui vous a échappé, et du coup, Oui, moi aussi, je sens bien que après. moi aussi, ça m'échappe du coup, mais comme ça vous a échappé à vous, c'est-à-dire que vous étiez très proche de cet D'un homme, seul coup, quand j'ai tout oui. dit, genre, il était. Au début, il m'a. Entre guillemets, j'ai trouvé ça bizarre, félicité de mon courage de pouvoir lui, enfin, de tout déballer. J'ai dit, bon, on n'est pas là, genre, ça, c'est moi, je suis comme ça. Mais après, autant, enfin, il a expliqué que toute cette relation était purement professionnelle. J'ai dit, mais attends, mais c'est pas vrai parce que, attends, j'ai 40 ans, voilà, il faut que, pour Oui. mettre, pour situer les choses. Oui.
je sais c'est quoi un truc professionnel, on ne peut pas être... Une fois, je l'ai mis au pied du mur, j'ai dit, attends, quand tu me racontes toute ta vie, quand tu me parles de ta... Tu fais ça avec tous tes collègues, il me fait, non, c'est vrai que... Il y a un truc qui s'est passé, c'est pas possible. Mais c'est vrai, après, il était catégorique. Il m'a dit textuellement qu'il ne ressentait rien. Oui, il vous l'a dit de cette façon-là, je ne ressens rien. Il avait employé un autre propos, mais similaire en fait. Mais, vous vous souvenez ? N'empêche que... Vous l'avez ressenti comme ça, vous ? C'est-à-dire que vous vous êtes senti comment ? Comment l'avez-vous vécu, vous, à ce moment-là ? Mais en fait, il y a un truc, il avait dit un truc que... Mais sur place, moi, j'aime pas prendre les mots. C'est-à-dire, quand quelqu'un me dit quelque chose, je le prends pas au mot, je le laisse respirer. Mmh. Une fois, il avait dit... on parlait de ça, de tout et de rien, il me fait le feeling, je sais pas, il disait n'importe quoi, l'alchimie, blablabla. Je crois pas à ses propos, moi, je crois à ce qu'on ressent à l'instant T0. Il vient pas... Moi, je suis pas dans la littérature, je sais pas m'exprimer, je sais, je suis voilà, dans le technique, c'est 1 égal à 2, c'est pas la peine de... Après, il me fait, oui, quoi, on va vivre quoi, on va essayer. Voilà. Bah, il n'a pas dit ici, il a dit, on va vivre 3-4 mois ensemble, mais après, je ne sais pas comment. Après, moi, j'ai dit, pourquoi il a dit ça? Si on n'a aucun intérêt pour la personne, on ne veut même pas essayer, on ne veut même pas tenter le coup, genre, on ne veut pas. Et le jour où je l'ai mis face à ses propos, il n'a pas dit qu'il n'avait rien dit, non. Il a dit, je ne vois pas très bien, il avait dit, non, tu n'avais pas compris. J'ai dit, vas-y, explique-moi. Il m'a dit, je l'ai dit, peut-être. Il n'a pas dit, peut-être. Il a dit, oui, c'est vrai, peut-être que je l'ai dit. Mais je ne sais plus dans quel truc, comment, pourquoi j'ai parlé comme ça. Après, moi, j'étais dégoûtée parce que c'est quelqu'un à qui je fais énormément confiance. Je pense que il y a eu, à un moment, vous avez énormément investi dans cette relation. Ouais. On l'entend, vous. On voyait pas le temps passer. Non, mais moi, je vous crois entièrement. Après, pourquoi cet homme s'est rétracté? Bon, je ne sais parce pas. Qu'il est marié. Ah, voilà. Oui. Oui, Nathalie, c'est... mais vous me livrez l'information après. Oui, ok, mais ça, c'est une donnée qui existait dès le début. Oui, ok, mais moi, quand j'ai commencé. Mais pas pour nous. Pas pour nous. D'accord, oui. Mais alors, en fait, vous me direz, ça pourrait ne pas... Oui. Non, mais... J'ai oublié ça, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Bon, vous me direz, certains... Okay. Ça... Eh oui, mais c'est important. Oui, d'accord, mais c'est pas à moi de dire ça. Parce qu'en fait, si c'était important... Je ne dis pas, je ne sais pas quel propos appliquer. Mais bref, moi, je savais qu'il était marié, mais je n'avais aucun sens d'intérêt envers cette personne. Nathalie, ça change beaucoup la donne. Alors, vous me direz, pour autant, il aurait pu, certains auraient pu, malgré tout, démarrer une relation avec vous. Voilà. Là, il a pu avoir une très grande complicité avec vous, être dans une relation de séduction avec vous, parce que c'est bien de ça dont vous nous parlez, hein, semble-t-il, de séduction, si ce n'est que lui en est resté au niveau de la séduction et finalement n'a pas voulu aller au-delà parce que passer à l'acte, comme on dit, c'est-à-dire finalement ne pas rester dans un jeu de séduction et être vraiment, avoir une relation avec vous, eh bien, il y aurait des conséquences, évidemment, dans sa vie, et ça pouvait être compliqué à gérer. Là où vous êtes disponible, si je comprends bien. Oui. Bon. Et vous, eh bien, vous êtes resté là, et à ce moment-là, vous vous êtes senti rejeté. Alors, il y a des choses un peu à travailler, parce que vous, aujourd'hui, bon, ce qui est problématique, c'est que vous auriez pu vous dire, bon, voilà, cet homme, au fond, il y a eu tout un jeu avec moi, et puis... C'était pas un jeu. Bon, alors, mais vous voyez comme les mots alors ont une importance. Bon, alors, je vais reprendre dans le... C'est pas le jeu dans le sens... Oui, mais les mots ont un poids, et je suis bien placée pour le savoir, pourtant. Je ne veux pas dire qu'il a joué avec vous. C'est pas un jeu, parce qu'il était... Nathalie, écoutez-moi, Nathalie. Vous êtes tellement dans votre émotion que vous n'entendez pas. Ou si, plutôt, vous entendez, mais... Je sens que vous êtes dévastée, hein. Il faut vraiment que vous alliez parler de cette histoire. C'est pour ça que j'ai appelé, parce que... Nathalie, alors écoutez-moi, prenez le temps de m'écouter. Oui. Parce que vous êtes tellement dans votre émotion que vous n'entendez plus, et pourtant en le prononçant, je me suis dit que vous n'alliez plus entendre ce que je vous disais. D'accord. Quand on dit un jeu de séduction,
Ça ne veut pas dire forcément qu'on joue avec les sentiments de l'autre. Vous m'avez dit vous-même, vous avez 40 ans. Bon. Quand on tombe amoureux, quand on est amoureux, finalement, on n'a plus d'âge. Hein. Dans ces cas-là, on a 15 ans, on revient comme si on était une toute jeune fille parfois. Bon, ça ne veut pas dire qu'il a joué avec vous forcément cet homme. Je parlais du jeu de la séduction, c'est-à-dire où on a envie de séduire l'autre, où on a envie de plaire à l'autre, où on a envie de donner la meilleure image de soi-même. C'était dans ce sens-là que j'utilisais le terme de jeu. Mais vous, votre réaction finalement où vous émotionnelle aussi forte montre à quel point vous êtes blessé extrêmement par cette histoire, parce qu'au fond finalement dans ce jeu, le mot jeu, vous l'entendez comme si il avait joué avec vous. Voyez, au point de devoir me dire il a pas joué, c'était pas un jeu. Eh oui, mais c'est ça, finalement, vous vous sentez floué dans cette histoire. Comme si vous vous êtes énormément investi dans cette histoire, et puis au final, vous avez un homme en face de vous qui vous dit « Ah ben non, tu t'es trompé, je ne ressens rien ». Donc ça, c'est terrible. Et là, vous vous sentez terriblement rejeté. Et ça, à mon avis, Nathalie, il y a quelque chose pour que ça vous mette dans un état de si grande souffrance qui doit faire écho à une histoire plus ancienne. Pour le moment, ça ne vous apparaît pas encore clairement parce que cet homme occupe tout le devant de la scène. Mais pour qu'il y ait une aussi grande souffrance en vous, c'est qu'il y a un événement du passé derrière. Et ça vaut vraiment la peine que vous alliez en parler avec un thérapeute. Parce que pour que vous soyez comme ça, immobilisé dans votre vie, c'est qu'il y a quelque chose de votre mémoire inconsciente qui ressurgit. Des fois, j'ai envie de rien. Des fois, j'ai envie. Oui, mais parce que vous j'ai êtes. Envie de disparaître, c'est toujours. Oui, mais quand on a envie de mourir comme ça, de disparaître, enfin de mourir, ou de qu'on n'a plus envie d'avancer, c'est qu'il y a une souffrance qui est trop grande. Donc il faut vraiment aller parler de cette souffrance. Alors moi, ce que je vous conseille, Nathalie, c'est de passer par, de voir même plutôt que votre médecin généraliste ou lui demander les coordonnées d'un médecin psychiatre. Parce que, alors vous allez me dire pourquoi un psychiatre, c'est, mais parce que le médecin psychiatre, c'est lui qui est le plus à même de soigner un état dépressif. Alors d'après vous, je suis dans un état dépressif. Oui. Si vous voulez, quand on a un problème de peau, on va voir un médecin dermatologue. Quand on a un problème gynécologique, on va voir un gynécologue. Et bien, quand on a un problème comme ça, une souffrance psychique, on va voir une souffrance morale, un état dépressif, on va voir un médecin psychiatre, parce que ça sera lui qui sera le plus à même de voir si il y a lieu de vous prescrire un traitement ou pas forcément, et puis peut-être à ce moment-là, je pense de toute façon qu'il est important que vous parliez en thérapie. Alors, mais le médecin, c'est-à-dire, pardon, il est pas au courant de ce que j'ai vécu. Moi, j'ai pensé, si j'arrive à lui parler, à lui, oui, il est mieux placé, c'est-à-dire c'est lui qui sait ce que je ressens, il sait ce que je... Qui, lui, cet homme? Oui. Non. Non, parce que vous n'aurez pas les réponses que vous souhaitez. C'est un leurre, cet homme. Je vous dis, cet homme réactive une blessure de votre histoire passée. Et le risque, c'est que vous vous sentiez un peu plus rejeté. Et d'ailleurs, vous le sentez inconsciemment quand vous dites au fond que vous avez eu envie de l'appeler et que vous ne le faites pas. Alors vous dites par peur vous ne voulez pas passer pour harceleuse entre guillemets, mais je pense qu'au fond de vous, vous avez surtout peur d'être rejetée et peur de ne pas le supporter. Et il vaut mieux que vous alliez parler à quelqu'un, un spécialiste qui pourra vraiment entendre votre souffrance et vous aider. Parce que comme dit Lali, vous vous sentez comme trahi. Et ça, il y a vraiment une vraie blessure là. Mais donc il y a Salomon aussi. Je vais vous lire des messages qui arrivent pour vous. Qui dit, il me semble que Nathalie manque
d'un sentiment de reconnaissance, comme si ça venait de loin, et une thérapie associée à une aide médicamenteuse lui serait certainement très bénéfique pour l'avenir. Salomon, qui vous trouve extrêmement touchante et qui vous souhaite bon courage. Donc je pense effectivement qu'il est important d'associer les deux, et puis aussi l'imparfait du subjonctif, dire qu'il est préférable de ne pas laisser s'installer un état dépressif et de réagir dès les premiers symptômes en consultant. Hein. Ça, c'est effectivement très juste. Donc un médecin, si vous voulez un psychiatre, va voir avec vous, vous prescrire au besoin de traitement, et puis peut-être vous orienter vers quelqu'un qui fait des thérapies. Parce qu'il est, il est important qu'à côté de cela, vous puissiez parler aussi de ce que vous vivez. Hein, c'est pas seulement. Je peux en parler. Bah si, vous en parlez avec moi, voilà. Vous en parlez. Voilà. Aujourd'hui, parce qu'en fait, j'ai entendu hier, il y avait une personne qui a appelé. Je m'en rappelle plus son prénom, celui qui se faisait maltraiter par sa femme, Benoît, non ? C'était Dominique. Voilà. Et j'ai senti que quand il parlait de ça, ça l'a pas délivré, mais je sais pas comment dire ça. J'ai senti un truc bizarre. Et j'ai dit peut-être si... on est face quand même à un spécialiste. Vos conseils m'ont beaucoup fait... ça m'a interpellée, ça m'a fait réagir. J'ai dit peut-être que c'est pas foutu pour moi. Peut-être que... c'est vrai, moi j'y crois pas trop aux psychologues. Moi je suis donc technique, je vois les choses autrement. Mais j'ai dit si ça marche pour certains, si ces gens-là arrivent à trouver de l'aide, peut-être que c'est faisable pour moi. Peut-être que c'est... Je crois pas au miracle aussi. Mais c'est pas. Je vous parle pas de miracle. Hein. On n'est pas dans les. Oui, mais j'ai mal. C'est pas. Qu'est-ce qu'il va faire le psychologue? Qu'est-ce qu'il va dire? Mais justement, cette souffrance, ce mal que vous allez pouvoir déjà mettre des mots dessus. Oui. Et vous savez, c'était René Char hein, qui disait les mots disent de nous ce que nous ne savons pas encore d'eux. Donc, il y a beaucoup de choses qui surgissent d'eux. Regardez ce qui s'est joué déjà avec le mot « je ». Hein, quand je vous parlais, bon, ça déclenche en nous beaucoup d'émotions. Et tout ça, actuellement, c'est tout ce qui, actuellement, vous est bloqué en vous. Tout ce qui vous inhibe, tout ce qui vous empêche d'avancer. Alors, le sommeil, actuellement, c'est un refuge. Tant que vous dormez, vous souffrez moins. J'ai envie de me réveiller, c'est terrible. Mais oui, parce que quand vous dormez, vous êtes au moins là. C'est finalement c'est une façon de la souffrance, elle est endormie. Évidemment, dès que vous vous réveillez, elle ressurgit. Voilà, et je n'accepte pas l'idée d'être esclave d'un amour qui me réduit. On est en je me dis que c'est pas possible, ça peut pas m'arriver, ça peut arriver, Nathalie, mais vous savez, et c'est vrai que c'est toujours très douloureux de s'apercevoir de cela, surtout comme vous dites, bon, vous apercevez cela, vous avez 40 ans, alors on se dit, tiens, comment j'en suis arrivée jusque-là, et puis je découvre là, ce moment-là de ma vie. Mais parce que il y a quelque chose dans votre histoire qui émerge, ce que cette rencontre a fait émerger, et quelque chose qui est douloureux et dont vous n'avez pas conscience. Alors, vous me dites, vous êtes dans le technique, dans un domaine technique. Alors, tout ça, effectivement, doit vous paraître un peu farfelu, ce que je vous raconte. Mais vous savez, on a toujours deux films en nous. On a le film du présent, ce que l'on vit, les événements dans notre vie présente. Et puis, on a un film du passé. Et puis, tout ça, ça se télescope. Et parfois, à la faveur, ou à notre insu, c'est toujours à notre insu. C'est pas à la faveur, d'ailleurs, c'est à notre insu. Un événement, parfois, il suffit d'une parole, justement, parce que c'est un mot, un regard, une sensation. Ça va se télescoper, et puis cette mémoire qu'on a en nous inconsciente, elle va revenir à la surface, et puis elle peut nous faire complètement vaciller. Alors, sur le moment, c'est terrible, parce qu'on est submergé par la souffrance, et puis finalement, on se rend compte que pour peu qu'on la prenne au sérieux, cette souffrance, pour peu qu'on aille en parler, eh bien, c'est là aussi, et on va...
on va avancer réellement, on va grandir, parce que ça veut dire qu'il y avait quelque chose en nous qui n'était pas tout à fait fini, qui n'était pas vraiment construit. On peut avoir l'air adulte comme ça à l'extérieur, et en fait, il y a quelque chose en nous qui est resté complètement enfant, blessé, très meurtri. Alors, quand il y a un amour dont on est esclave, c'est qu'il y a quelque chose en nous qui est resté encore de l'ordre de la dépendance. Et on peut travailler là-dessus. Moi, je n'ai jamais regardé un mariage. J'avance et... Oui, mais vous savez, pour vraiment... si on ne connaît pas bien son passé... Ça peut être compliqué de se projeter dans l'avenir. Alors, je sais bien la formule de fonce et te préoccupe pas trop. Oui, mais beaucoup de gens ont tendance à te retourner pas. Et bien sûr. Au point que j'oublie des événements. Mais c'est comme ma soeur m'a raconté un truc. Elle me fait, tu te rappelles? Je dis non. Elle me fait, mais t'es pas normal, t'es amnésique. Autant que j'oublie rien dans mes études, dans ma carrière professionnelle, tout ce que je fais, mais ils sont au détail près, à la virgule près, mais il y a des événements, mais j'oublie. Mais mais parce que c'est une bonne stratégie de défense, l'oubli, c'est-à-dire qu'on refoule, nous on appelle ça le refoulement, c'est-à-dire qu'on met dans un coin de notre mémoire des choses qui sont parfois un peu difficiles. Et c'est vrai que, beaucoup de gens en nous disant « te préoccupe pas du passé, fonce ». Mais on dit aussi que qui ne connaît pas son passé est condamné à le répéter, sous une forme ou sous une autre. Oui, cette expression m'a toujours paru très bizarre. Oui, je me dis non. Oui, mais bon, c'est souvent, on répète. Oui, mais parce que au fond, tout ce qui touche à la psychanalyse, à la psychologie, peut-être, et vous effraie un petit peu. Et en même temps, vous écoutez l'émission, donc c'est un peu votre ambivalence, hein, au fond. C'est vrai. Mais donc il y a bien une chose qui vous attire aussi dans tout ça. Bon, je crois. Le fait qu'il y a des solutions, c'est ça qui m'attire. Je me dis. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Il y a un truc qui m'a beaucoup intriguée, c'est ça qui m'a un peu secouée. J'avais envie d'en parler. Il y a des choses que j'appréciais fut un temps, mais maintenant j'ai perdu l'intérêt par rapport à ces choses que j'appréciais d'habitude. Ça m'a un peu paru quand même, j'allais dire bizarre, mais même effrayant. Parce que c'est le propre aussi de l'état dépressif, c'est-à-dire on perd le goût de ce que l'on aimait jusque-là. Ça, je vais prendre un exemple qui va vous paraître extrêmement banal. Vous aimez auparavant, vous prenez votre petit déjeuner, vous adorez vous faire des tartines à la confiture de fraises. C'est un pur bonheur, vous levez le matin, vous savourez à l'avance en vous disant « je vais me faire des tartines grillées avec de la confiture du beurre et de la confiture de fraises ». Et puis, un jour vous vous levez et puis ces tartines grillées à la confiture de fraises, elles n'ont plus aucune saveur. Elles vous paraissent complètement fades. Voilà, c'est ça. Et pourtant ce sont les mêmes. Simplement, c'est vous qui avez changé, vous êtes en dépression. Voilà. Simplement, je vais vous dire que ça se soigne. Oui. Voilà. Excusez-moi, c'est vraiment terrible. J'ai reçu un ami, il m'a dit cette confiture de figue, on l'avait achetée, ça fait, disons, 15 jours. Il me fait, mais c'est pas normal, d'habitude, c'est le jour même que. Puis j'ai dit, si t'as envie de la prendre, vas-y, ça me dit. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ça revient, le goût des choses et le goût de la vie. Oh là là. Mais ça revient. Mais il faut accepter de vous faire aider. Je vais vous lire quelques messages pour conclure. Il y a le fou de Bassan qui dit « Croyez-moi, Nathalie, les mots, M-O-T-S, apaisent nos mots, M-A-U-X. » Et puis Flora qui dit « J'ai vécu sensiblement la même histoire, je me sentais minable. Un psychiatre m'a sauvée, libérée de cet homme. » Il y a Christine aussi qui dit « Je suis une thérapie, je prends un traitement d'antidépresseur, je peux vous dire que ça aide énormément et ça m'a permis d'avancer. » Il y a First Lisa qui dit « C'est la petite fille qui est en vous qui pleure. »
Il y a Marie-Jo qui dit il faut réagir surtout et vous faire aider pour moins souffrir. Courage à vous. Il y a Amanda de Corse qui dit vous m'avez fait pleurer parce que je vis en ce moment la même chose que vous. Amanda qui vous embrasse. Et puis voilà un petit peu les messages. Il y a Giorgio qui dit on ne trouve pas la solution dans une relation amoureuse lorsque la solution n'est pas réglée en nous. Je suis très émue par Nathalie qui n'a pas conscience véritablement de ce qui lui arrive et il est important qu'elle aille en parler et qu'elle puisse se libérer de tout ce qui la bloque actuellement. Voilà un petit peu les messages qui sont arrivés pour vous, Nathalie. Allez en parler, demandez conseil à votre... Vous avez un médecin traitant ? Oui, oui. Ben, demandez-lui conseil et... il aura certainement, il travaille en réseau, les coordonnées d'un psychiatre. Hein, d'accord, merci. À vous conseiller. Tout. Merci énormément, ça m'a vraiment fait du bien d'en parler. Merci à vous et merci pour toutes ces personnes, pour ces... Ça me touche énormément. Voilà. Je vous en prie, n'attendez pas hein, pour consulter. D'accord. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Pour joindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Un petit message de Pascal qui arrive par courriel qui dit je suis moi-même dépressive et je me reconnais totalement dans le témoignage de Nathalie. Je me fais aider par une psy et il faut accepter que la maladie est une que la dépression est une maladie et qu'il faut prendre soin de soi. Courage à vous Nathalie. On va accueillir maintenant Valérie. Bonsoir. 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 Ben voilà, je vous appelle parce que j'ai un petit souci qui me turlupine depuis toute l'après-midi. Mm-hmm. J'arrive même pas à dormir à cause de ça. Ben souvent, je vous écoute, mais dans mon lit, oh, mon carillon, il sonne. Excusez-moi. Il est en avance ou en retard? Ah oui, il est en avance. Il soigne. Il sonne. Pour midi, pour minuit. Pour moi, le quart. Il fait le quart aussi, voilà. D'accord. Comme je suis nounou, je préfère qu'il sonne avant pour que je sois à l'heure pour la sortie d'école, vous savez. Ah oui, oui, oui. Voilà, je triche un petit peu parce que je suis souvent... Pour être sûre de ne pas rater la sortie, voilà, de l'école. Voilà. Donc, cet après-midi, j'étais voir une amie parce que bon, j'ai beaucoup d'amis. Hein, en étant nourrice, tout ça, on voit beaucoup de monde. Oui. Et on a une amie en commun, elle et moi. Et elle a eu des petits problèmes avec son copain. Donc, on a été voir s'il était de nouveau inscrit sur un site de rencontre. Donc, on a cherché comme ça pour s'amuser, quoi, entre filles, quoi. Hein. Mm. Et en cherchant sur le site, j'ai découvert le mari d'une copine à moi qui était dessus. Donc, sur le coup, j'ai dit, c'est lui, c'est pas lui. Mais on a rigolé parce qu'on disait, tiens, il lui ressemble fortement. Mm. Et non, c'était lui. Donc, c'est le mari d'une maman dont je garde les enfants. Lui, je le connais, mais sans plus, quoi. Mais elle, si vous voulez, ça fait bientôt 3 ans que je garde ses enfants, donc on a eu beaucoup de liens, d'affinités, etc. Et ben moi, j'ai le dilemme parce que je la vois demain. Mm. Je garde ses enfants demain, comme c'est l'école, et je ne sais pas comment je vais faire quand je vais la voir à 5 heures, quand elle va venir chercher les enfants. Qu'est-ce que je fais? Je lui dis que je l'ai vue, je ne l'ai pas vue. Mon mari ne veut pas. Mon mari, bon, ben nous, on s'entend très bien. J'ai la chance d'avoir un bon époux à la maison. Et lui, il me dit, t'occupes pas de ça. Oui. Tu dis comme si tu avais. Mais oui, mais moi, je ne peux pas. Là, je lui ai dit. Pourquoi? Parce que. J'ai de la chance en amour, vous me direz, mais j'ai des amis autour de moi qui n'ont pas eu cette chance, qui n'ont pas ma chance. Mm. Et beaucoup me disent, oh, faut le dire. Moi, si tu verrais mon mari avec quelqu'un, tu me le dirais. Tout le monde me dit ça. Alors, je dis, ouais, certainement. Alors, souvent, je disais ça. Oui, je te le dirais. Mais là, maintenant que je me retrouve devant le fait accompli. Je sais pas quoi faire. Parce que bon, déjà, lui, j'avais déjà eu un petit problème avec lui, un problème entre guillemets. Il y a 2 ans, j'ai reçu un texto venant de sa part, hein, et il me donnait rendez-vous pour un sauna. Donc sur le coup, j'ai dit, bon, c'est pas moi, parce que dans les Valérie, il y en a beaucoup. Oui. Donc, je me suis dit, il a dû se tromper. Donc, ensuite, j'en ai parlé à mon amie. Bon, à elle, justement, c'était déjà elle. Hein.
Et j'en ai parlé et bon, elle l'a mal pris. Elle a dit c'est quoi cette histoire et tout, t'es sûr que c'est lui? Bah, j'écoute, c'est marqué écoute Valérie, bah, c'est pas marqué, mais si, non, c'était marqué ça te dit un sauna cet après-midi à 15h, je t'attends, Pat. Bon, alors je me suis dit c'était lui, c'est pas lui, connaissant, et il me donnait la ville d'où j'habite. Il y a justement, il y a une piscine dans cette ville où j'habite, hein, je ne vais pas vous la citer, cette ville. Donc, je me suis dit, bah, c'est bizarre, même si c'est un faux texto, comme par hasard, il me l'envoie à moi, il s'appelle Pat, et c'est le nom de notre ville. Donc, et quand je me suis renseignée après, parce que bah, j'ai fait un petit peu ma petite enquête, je savais qu'elle, elle travaillait, mon amie. Et lui, normalement, il devait garder ses enfants, il ne les a pas gardés, il les a déposés chez ses parents. Donc, je me suis dit, bah, oui, il a mis ses enfants chez ses parents. Comme ça, il a pu avoir l'après-midi tranquille pour aller faire un petit sauna. Bon. Donc, et là, bah, je me retrouve embêtée parce que, bon, à l'époque, moi, je lui ai pas... Et pourquoi voulez-vous... vous êtes embêtée à quel niveau? Bah, je ne me vois pas lui dire « ça va, tout va bien chez toi ». Pourquoi pas? Bah, je ne sais pas. Parce que comme ça ne va pas très bien dans son couple... Et vous voyez lui dire « j'ai vu ton mari sur un site de rencontre » Bah, non. Ça vous paraît plus facile? Je ne sais pas. Mais moi, j'aime pas... je suis vachement honnête... Oui, vous pensez que toute vérité est bonne à dire? Oui. Vous pensez? Non, je ne sais pas. Je ne crois pas, non. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire. Parce que, bon, bah, qu'est-ce qui vous motiverait à vouloir le dire? Bah, c'est parce que je vois qu'elle a vécu et qu'elle n'est pas heureuse. Est-ce qu'elle se confie à vous? Oui. Ouais, par rapport à quoi? Bah, elle m'a dit que depuis le mois de juin, ils n'avaient pas fait l'amour. Là, c'était la Saint-Valentin, il ne lui a même pas téléphoné, il est en déplacement. Hein. Il n'a même pas téléphoné pour la Saint-Valentin. Ils font chambre à part. Mmh. Elle dort avec ses enfants. Mmh. Lui, il dort dans la chambre du gamin. Donc, le gamin, il l'éjecte. Puis le gamin, il dort avec sa mère. Alors lui, même le gamin, il est complètement perturbé parce que quand papa y est là, bah, il fait dodo avec maman, lui. Donc, vous pouvez parler davantage dans la mesure où elle se confie à vous de façon très intime, hein, oui, puisque elle vous parle, elle va jusqu'à vous parler de sa vie sexuelle, de dire au fond, de dire qu'est-ce qui fait que malgré cette mésentente dans le couple, de cette absence de relation, pas seulement dans la sexualité, mais on peut penser que s'il n'y a plus de relation sexuelle, il y a aussi beaucoup de manque. Ah oui. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que malgré tout, elle reste dans cette relation ? Vous pouvez lui poser la question. Ça, il ne s'agit pas d'être intrusive ou directive. Ouais. Mais si vous voulez asséner une vérité, n'est pas forcément une bonne chose. Je vais vous dire, je vais vous le dire plus brutalement, jouer les oiseaux de mauvais augure n'a jamais été une bonne chose, surtout en ce qui concerne l'intimité des couples. Alors ceux qui les premiers ou les premières, parce que ce sont souvent des femmes, qui disent oh ben écoute, hein, j'espère que quand même tu me le dirais, hein, si mon mari me trompait, hein, parce que moi j'ai besoin de savoir, j'espère quand même, hein, on est bonne copine, tu dois me le dire. Ben, croyez-moi que le jour où ça arrive, elles sont pas forcément les plus ravies, et en plus ça peut se retourner contre vous. Là c'est ce qui m'a dit mon mari. Bon, parce que l'amitié, ça consiste pas forcément à se balancer comme ça des choses, parce que derrière ça, les intentions, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Hein ? Donc il faut réfléchir un peu au pourquoi on veut le faire. Parce que c'est pas le tout de balancer un pavé dans la mare. Donc, si vous voulez être amis et finalement aider cette femme qui se confie à vous, donc qui a besoin d'une écoute parce qu'elle est en difficulté dans son couple, c'est peut-être lui dire oui, qu'est-ce qui se passe? Et visiblement, d'après ce que vous me dites, le texto, bon, ce monsieur qui est sur ce site, cet homme est un coureur de jupons, comme on va dire, un peu familièrement. Bon, mais maintenant, peut-être. À mon avis, elle doit pas être dupe non plus de certaines choses. Alors peut-être pas jusqu'à imaginer cela, mais je ne sais. Vous voyez, elle a dû quand même. Alors peut-être que pour le moment, c'est quelque chose qu'elle ne veut pas entendre, qu'elle n'est pas prête à entendre. C'est un petit peu. Je vais prendre un exemple, alors qui peut-être va pas vous parler, mais c'est un peu comme en
comme en thérapie, si vous voulez, si on se met à livrer ce qu'on appelle une interprétation sauvage, hein, ceux qui jouent aux apprentis psy, et qui balancent comme ça une interprétation, ce que j'appelle sauvage, ou ce qu'on appelle sauvage, à quelqu'un qui n'est pas prêt à l'entendre, ça peut faire des ravages. Et ben, quand on joue comme ça avec les gens, de leur balancer des vérités qu'ils ne sont pas prêts à entendre, là aussi ça peut faire des ravages. Parce qu'après, il faut pouvoir en assumer les conséquences. Donc, dans le doute, on s'abstient. D'accord. Et c'est là où je rejoins l'avis de votre mari. Bon. Okay. Alors après, qu'est-ce que vous devez faire de ça? Ah ben oui, demain vous n'êtes pas à l'aise, j'ai envie de dire ça, c'est votre problème. Vous voyez, pardonnez-moi, je vais vous le dire comme ça. Mais c'est un peu le problème quand on va un peu pour rigoler, voir sur les sites, voir s'il y a le copain de la copine y est, on s'amuse et tout. Ben oui, on peut tomber sur des trucs et après on ne sait pas trop quoi en faire. Et je m'attendais pas. Ben on s'arrange avec ça. Je m'attendais pas à ça. Et le pire, c'est qu'on va... c'est parce qu'on cherchait ma copine, elle est divorcée, donc elle est volage. Donc là, on ne voyait pas le mal, quoi. Et on cherchait si elle était de nouveau avec lui, ou bien si c'était remis sur le site, le gars-là, quoi. Et je suis retombée sur autre chose, quoi. Et je ne m'attendais pas à lui, hein. Pas du tout. Hein. J'étais estomaquée, quoi. Mm-hmm. Et on voit sa photo et tout. Là, il cherche des femmes coquines, c'est marqué. Mm-hmm. Donc, oui, oh, ben, en général, on cherche rarement des femmes prudes hein, sur ces sites. Ouais, non, mais c'est parce que bon, des fois, c'est un peu comment, léger, les textes. Hein, mais là, c'était un petit peu cru, quoi. J'ai trouvé ça un peu cru, quoi. Et le pire, c'est que mon garçon était derrière, il l'a vu. Quel garçon ? Mon garçon. Bah oui, mais ça, écoutez, à vous de faire attention que votre fils ne soit pas derrière aussi. On ne voyait pas le mal, hein. Nous, c'était l'après-midi. Bon, écoutez, là, vous êtes un peu naïf quand même, Valérie. Quand on va sur un site de rencontre, on sait bien que, vous voyez, on n'écrit pas des textes poétiques. Hein. Non, moi, je pensais, on regardait les photos, c'est tout. Hein. Oui, bah, enfin, vous savez bien que sur ces sites, c'est quand même... vous savez pourquoi on y va, non ? Passé. Bon, bah, nous, on était dans la salle. Justement, on a mis justement l'ordinateur dans la salle pour peur que les enfants... Bah, remarquez, ça aurait pu créer un sérieux quiproquo parce qu'en rentrant, il aurait pu dire, je sais pas, tiens, maman, l'après-midi, avec ses copines, elle va sur des sites de rencontres. Il aurait pu dire père. Auriez pu être dans l'embarras. Non, là-dessus, on a vous savez... Non, je crois pas. Enfin, en tout cas, y avait des messages qui arrivent. Lali dit « Votre époux a raison, ne vous mêlez pas de ça, ça n'arrangerait pas les choses. » Il y a Élise qui dit « Votre ami n'a peut-être pas envie de savoir, vous n'êtes pas dans le secret total de leur alcôve. » Un autre message qui dit « Ne vous mêlez pas de la vie des autres, vous pouvez faire des dégâts. » Cathy qui dit « Attention de ne pas se donner un rôle de justicier. » Et puis Fédragé qui dit « Il vaut mieux rester en dehors de cette histoire. Oui, il faut prendre sur vous. Il n'y a pas de vague, il avait raison. Non, c'est-à-dire que vous pouvez aider. Justement, c'est bon, lui, vous savez que bon, avec lui, vous tenez à l'écart et vous êtes plutôt froide avec lui, mais c'est elle qui est votre amie et vous pouvez l'amener un peu à réfléchir et à s'interroger peut-être sur leur relation, mais sans être intrusive, et c'est à elle, peut-être que pour le moment, elle n'est pas prête, elle est un peu dans un déni, semble-t-il, de la réalité. Et ce déni, le déni est un mécanisme de défense qui la protège. Ça ne veut pas dire qu'elle évoluera pas. Vous pouvez aussi lui dire qu'après tout, elle pourrait aller parler à quelqu'un de cette relation qui la rend malheureuse. Moi, des fois, je sais pas quoi faire. Elle vient, elle a que moi comme amie sur place, quoi. Elle a une copine, mais elle est assez loin en kilomètres, donc c'est par téléphone, c'est pas le top. Et avec moi, c'est vrai qu'elle me se confie beaucoup. Et la dernière fois, elle a pleuré, je sais pas quoi faire. Hein. Puis quand j'ai su ça cet après-midi, tout est revenu, quoi, à la surface. Je dis, Mais peut-être conseillez-lui d'aller parler à quelqu'un, parce que visiblement, cette dame doit être malheureuse parce dans cette relation. Elle a demandé à son mari, justement, de faire une thérapie, il n'a pas voulu. Hein. Ben vous pouvez lui dire qu'elle, elle peut faire une démarche seule de son côté. Oui. Voilà, okay, Valérie. Je vous remercie. Hein. Je vous C'est en sympa. Prie. Au revoir. À bientôt, au revoir. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39-21. 39-21. 34 centimes la minute.
Alors, un message encore de Charles qui arrive par courriel pour Valérie qui dit « La vie des autres ne vous regarde pas ». Et puis Giorgio qui dit « Je trouve que c'est très indiscret d'annoncer cela sans preuve, même une photo qui ressemble à son mari. N'oublions pas, c'est peut-être pas vraiment le mari, n'oublions pas qu'Internet est ouvert à tous. Imaginons que la photo a été empruntée, cela est arrivé à une amie, méfiance, même si tout semble apparaître qu'il y a montré plutôt qu'il y a un malaise dans son couple. Il y a Didier qui dit c'est pas parce que cet homme surfe sur ce genre de site qu'il n'aime pas sa femme. Bon, alors comme le dit Giorgio, il y a semble-t-il un problème dans le couple, mais de toute façon ça reste un problème de couple et ça doit pas être comme ça divulgué sur la place publique. Et puis et il y a également Sylvie qui revenait, elle, sur le témoignage de Nathalie qui dit « L'histoire de Nathalie fait écho à la mienne. Je confirme bien sûr qu'on peut s'en sortir. Je suis allée voir un psychiatre pour qu'elle m'aide à me défaire d'un homme marié auquel je m'étais trop attachée. Je ne lui ai parlé en fait que de mon père alors que je croyais parler de cet homme. J'ai pris conscience que le problème était davantage là. J'ai fait la paix avec mon passé et à présent, j'avance. » Et oui, c'est ça le propre de la thérapie. On y va au départ pour parler d'un problème dans notre vie présente, et vous le résumez très bien, Sylvie, votre relation avec cet homme marié, et finalement vous parlez de la relation avec votre père. Bonsoir Aurélie. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Donc oui, finalement à moi. C'est à vous. Il faut vous lancer, ma chère. Oui, il y a pas de souci. Il y a un petit moment que j'attends, du coup. Voilà. Oui, moi aussi, c'est pour parler d'une relation amoureuse. C'est moi un problème, je pense, un peu moins grave que ce qui est passé avant. Donc, je ne sais pas si vous avez un petit peu le résumé. Oui, alors vous êtes avec un garçon depuis l'été dernier. Vous avez travaillé trois mois ensemble. Mais voilà. C'est une... Donc, vous l'avez rencontré... En saison, je vous avais voilà. Oui, ça me dit quelque chose. Voilà. Vous étiez saisonnière tous les deux. Voilà, pour vous dire que tout se passait bien à la pré-saison, que ça faisait plaisir qu'on continue. Oui, c'est un amour de vacances, un amour d'été voilà. qui dure. Oui. Qui dure, voilà. Donc on est toujours ensemble, mais là, lui se pose des questions. Enfin, c'est un peu... On est toujours ensemble, mais le week-end dernier, c'était un peu particulier dans le sens où... bon, c'est pas énorme, mais ça faisait un mois qu'on s'était pas vu parce que moi, pour raison professionnelle, j'avais pas pu venir. Travaillais et puis voilà, le week-end j'avais pas pu venir et puis donc il y avait eu un peu plus de distance quoi, je pense. Et puis j'y suis allée le week-end dernier, donc on devait fêter son anniversaire voilà, avec des amis à lui et autres. Et puis j'ai senti petit à petit qu'il y avait un malaise ou qu'il était moins, c'était un peu différent. Et donc, c'était le samedi, puis le dimanche, on est venu à parler, enfin, voilà, je me demandais ce qu'il y avait qui allait pas, quoi, parce que je le ressentais sans que ce soit non plus trop, je sais pas, trop important, donc je me doutais pas que c'était ça spécialement, mais il me disait qu'il savait plus trop où on était entre nous, par rapport à notre relation, quoi. Oui. Et je lui ai posé la question concrètement, qu'est-ce qui allait pas, et c'est là qu'il m'a dit en gros je sais pas quoi. Je sais pas ce qui va, enfin c'est là où je, enfin malgré mon expérience vécue amoureux autre, où je comprends pas moi-même, parce que en gros il me dit je tiens à toi, mais je sais pas pourquoi. En gros ce week-end je suis moins bien que d'habitude quand tu viens et en même temps tu me manques. Et là, je lui dis, Ça peut arriver, ça, en même temps. Hein. Oui. Oui, et bon, il peut avoir. C'est vrai. Bon, bon signe, c'est que vous lui manquiez, mais en même temps, il est peut-être moins bien. C'est pas forcément lié à vous. Mais c'est ce que je. Ouais, bon, on va en parler un petit peu après le journal. Hein. Aurélie, ne raccrochez pas. Il n'y a pas de problème. Tout de suite. Vous écoutez Europe 1, il est minuit. Europe 1.
deuxième heure de votre libre antenne, toujours en direct, bien entendu, sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à une heure, alors je vous invite à composer le 39-21 pour témoigner, pour réagir à ce que vous entendez à l'antenne. Vous pouvez également le faire par SMS au 7-21-21 en commençant vos messages par le mot « nuit » ou nous écrire un courriel sur le site europe1.fr. Tout de suite, nous allons retrouver Aurélie. Oui, bonsoir. Alors Aurélie, vous nous parliez de votre relation avec ce garçon rencontré l'été dernier. Vous étiez saisonniers tous les deux, vous avez travaillé trois mois ensemble. Et puis cet amour d'été qui aurait pu en rester là s'est poursuivi. Hein, voilà, jusque-là en tout cas. Ouais. Voilà, et puis alors le week-end dernier, vous l'avez senti un peu perdu. Et puis perdu quand on est venu en parler, dire qu'il savait plus trop où il en était, ou qu'il savait que je lui manquais, et que maintenant que j'étais là, il ne se sentait pas aussi bien qu'il aurait pensé, ou pas aussi bien que d'habitude. Donc moi, sur le coup, je n'ai pas compris. Et je crois que plus on en parlait, moins on comprenait tous les deux. Et du coup, et le lendemain, j'ai failli partir ce soir-là, et puis en fait, il voulait quand même que je reste. Et le lendemain matin, quand je suis partie, il m'a dit qu'au dernier moment, juste avant que j'aille, parce que je reprenais le train, juste avant que je reparte, il me dit, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je tiens à toi et je n'ai pas envie de te perdre. Donc, sur le coup, tout ce changement en peu de temps m'a perturbée, m'a déstabilisée moi aussi. Oui, sur le coup, quoi. Voilà, c'est plus ça que... Je ne crois pas que ce soit une inquiétude définitive dans le sens où je ne crois pas que ce soit terminé. En non, tout. C'est un peu déstabilisant. C'est un peu déstabilisant, voilà. Parce que, c'est-à-dire que, comme vous y a, c'est un peu une relation à distance, même si vous n'êtes pas très éloigné géographiquement l'un de l'autre. Et puis là, surtout qu'on ne s'était pas vu depuis un mois, donc c'était un peu plus long comme d'habitude. Quoi. C'est plus compliqué, à vivre ce type de relation malgré tout, parce que vous ne pouvez pas... Je n'étais pas habituée à ça. Voilà, j'ai besoin de te rassurer aussi. Voilà, et lui, certainement de son côté, il y a une attente d'autant plus forte. C'est ce qu'il exprime au fond. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de manque, beaucoup de désir. Je suis content, mais pas autant que je pensais. Mais voilà, alors c'est-à-dire que quand il y a beaucoup de manque, ça veut dire qu'il y a énormément d'attentes. Ouais, et là c'est des deux côtés, quoi. Voilà, tout à fait. Et alors, du coup, parfois, c'est pas ce qui se passe. On a tellement fantasmé le moment des retrouvailles. Que ce qui se passe dans la réalité est pas à la hauteur. C'était un peu ça, oui. Mais c'est pas lié à vous forcément, c'est à vous deux d'ailleurs. C'est lié. Et puis quand je lui posais la question, est-ce que j'ai fait quelque chose, est-ce que c'est moi, est-ce que je suis différente de d'habitude, il me disait non, j'ai rien à te reprocher, il y a rien, au contraire. Non, c'est le décalage qu'il peut y avoir entre, je vous dis, ce que l'on peut fantasmer et puis ce manque, ce désir comme ça. Ressenti et puis c'est la difficulté de gérer parfois ces relations à distance. D'accord. Donc d'autant plus que, je vous l'ai pas dit, mais pour lui, je suis sa première relation amoureuse. Enfin, il y a une petite différence d'âge et je suis sa première relation sérieuse. Il a quel âge? Avec qui ça dure, quoi. Il a 22. Moi, je suis un peu jeune. Oui, il est jeune. Il a 22 et moi j'ai 28, donc il y a peut-être le décalage oui, aussi. Oui, ça joue. Par contre, je pense que ça joue, je le ressens aussi un petit peu. Quoi. Certainement. Et lui, ses amis m'ont dit, parce qu'il vit en colocation, et ses amis me disaient, c'est difficile à dire, pourquoi est-ce qu'on... Enfin voilà, j'en ai parlé un petit peu à ses amis ont ressenti de malaise, et m'ont dit en même temps, tu sais, c'est aussi sa première, quoi, sa première avec qui ça dure, sa première oui, avec qui importante. Arrive à s'engager. Quoi. Relation voilà. Importante. Voilà, relation importante, même si c'est que 7 mois, c'est pas énorme, vous allez me dire. Ah, c'est mais, beaucoup quand même déjà. Hein, c'est la, voilà, oui. Je suis la première avec qui ça dure 7 mois, en gros, avec qui ça dure. Voilà. Mm-hmm. Oui, c'est, ouais. Il investit, il est vraiment il est amoureux et ça dure 7 mois, c'est déjà important. Surtout dans une relation à distance. Mm-hmm. Oui, et puis quand même le décalage d'âge entre vous, qui êtes une femme, 28 ans. Inverse, quoi. Oui. Voilà, je suis la femme plus âgée qui a quand même du coup,
coup un peu plus d'expérience. Enfin, ça peut être déstabilisant peut-être aussi pour lui, quoi. Oui, mais ça peut aussi, ça lui plaît certainement. Oui, bah, je pense. Même si, bon, attendez, c'est 6 ans, c'est rien du tout. Mais à cette période de la vie, c'est important. Ouais. Voilà. Alors c'est que dans aussi. Ouais. Vous auriez à 30 ou 40 ans, c'est rien du tout 6 ans. Oui, mais entre 22 et 28, oui, il y a un décalage, surtout un jeune homme de 22 ans et encore après la maturité. Il débute sa vie amoureuse et peut-être que moi, c'est pas que je la débute plus, mais je suis un peu plus avancée dans cette vie amoureuse là, donc les choses sont différentes. Mais c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas lieu de vous inquiéter outre mesure. Hein. Ah, d'accord. Oui, vraiment. Et que justement, il faut peut-être que j'évite de le brusquer en essayant de savoir pourquoi il a réagi comme ça ou quoi que ce soit. Oui, parce qu'il peut avoir. Oui, parce que je pense que du coup, ça pourrait donner trop de. D'importance à quelque chose qui n'en a pas forcément plus que ça et l'amener lui à réfléchir, à se poser des questions, vous voyez, à commencer à, quand on commence aussi à trop réfléchir à la relation, c'est là où on peut la mettre en péril. Quand on en parlait, on n'avançait pas, au contraire, quoi. Plus déstabilisant qu'autre chose. Hein. Et d'ailleurs, vous avez très bien fait de ne pas repartir le lendemain parce que ça aurait dramatisé les choses. De ne pas repartir aussitôt, vous voulez dire aussitôt, Voilà. Ça aurait vraiment dramatisé les choses, pour le coup. Voilà, c'est ce que j'ai évité, quoi, même si moi, je ne me sentais pas à l'aise sur le coup, parce que c'était déstabilisant, mais j'ai arrivé à prendre le recul pour attendre. Comme dit Lali, c'était peut-être un petit passage à vide, ce qui peut arriver aussi. Hein. Mais lui-même me l'a dit, peut-être que c'est ça, justement, j'ai pas envie de te perdre pour rien, quoi. Donc, vous vous revoyez quand? Le mieux, c'est quand j'y retourne, je fasse un peu comme si rien s'était passé. Tout à fait. Oui. De parvenir là-dessus. Éviter surtout pas. Surtout pas. D'accord. Non. Oui, vous prévoyez quelque chose, peut-être un peu de différent à ce moment-là, quand même. Oui, d'accord, oui, tout à fait. Peut-être, voyez, changer un petit peu le rythme aussi, quand même, un peu. Oui, d'accord. Casser un petit peu le. Oui. D'ailleurs, c'est lui qui peut venir, ça peut être bien aussi. Peut-être, faire quelque chose comme ça, oui. Ou se voir ailleurs, prévoir quelque chose d'un peu. Voilà, ouais, peut-être aussi. C'est ce que je pensais aussi. Ou que lui vienne chez vous. Enfin, voilà, qu'on n'a pas vraiment eu l'occasion de se retrouver, en fait, parce qu'on a fêté son anniversaire avec des amis à lui, chez des amis à lui. Donc peut-être qu'il y a eu ce manque-là aussi de se retrouver tous les peut-être deux. Peut-être que si il vous dit qu'il avait un grand manque de vous, qu'il avait besoin que vous soyez davantage tous les deux. C'est peut-être ça aussi. Après, qu'il n'arrivait pas à exprimer. Hein, c'est pas moi qui ai voulu spécialement lui, c'est le concours de circonstances. C'est peut-être ça qu'il fallait entendre, hein, tout simplement. Oui. Donc, ménagez-vous la prochaine fois des moments vraiment d'intimité. D'accord. Ben, merci. Voilà, Aurélie. C'est un peu ce que j'avais envie d'entendre, enfin, ce que j'avais besoin d'entendre, de me rassurer, en fait. Oui, il n'y a pas de raison de vous inquiéter. Hein. D'accord, ben, merci beaucoup. Au revoir, bonne soirée. Au revoir, bonne soirée. Pour joindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Un petit message pour Aurélie de Salomon qui dit « Comblez son manque et embellissez vos escapades. Votre ami se sentira alors comblé. » Hein, il faut laisser toujours une petite place au manque hein, quand même pour qu'il y ait du désir. Allez, on accueille Bruno. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir Bruno. Merci de m'accueillir. Mais je vous en prie. J'ai déjà eu l'occasion de vous parler 2 ou 3 fois dans les cours de ces années précédentes. Oui. Tout ça pour vous dire que je suis un fidèle auditeur. Et... Merci à vous alors. Pardon. Merci. Mais c'est nous, c'est moi en l'occurrence, c'est nous qui devons vous remercier parce que quand j'étais en train d'attendre, je me disais, c'est vraiment notre grande amie de la nuit, quoi, Caroline. Merci beaucoup. Et on apprécie souvent vos avis. Bon, en même temps, ça se mérite de vous avoir au téléphone parce que j'avais appelé hier et puis on m'a rappelé ce soir. Donc je ne pensais pas qu'on me rappellerait ce soir. Enfin bref, comme vous venez de dire, le manque, comment vous avez dit, le manque crée le désir, c'est ça ? Il faut, si on était totalement comblé, oui.
Il n'y aurait pas beau. De place pour le... Non, ça ne serait pas trop beau, justement. C'est... Si on avait vraiment trop un sentiment de complétude, il n'y aurait, de... aurait pas de place pour du désir. Ouais. Donc, ouais. On n'irait pas vers... On n'aurait pas envie de... d'aller ouais. vers l'autre. Il n'y aurait pas de place pour la création. Il n'y aurait pas... Le manque est aussi un moteur. Tout à fait. Mais non, je vous taquinais un petit peu, mais vous avez parfaitement raison. Mais c'est on préférerait qu'il n'y en ait pas trop de manque, mais bon... Mais c'est... Ah, après, s'il y a trop de manque, on est dans la carence. Oui, oui. Vous voyez, donc il faut un juste milieu. Mais des enfants qui ont été trop gavés d'amour, aussi, ça... Ouais. Le trop-plein ou le manque peuvent produire les mêmes effets. Hein. Ouais. Ah, mais on ne peut pas vous prendre en défaut, Caroline, c'est terrible. Oh là là, si. Oh, si, on peut me prendre en défaut. Non. Bien sûr, sur beaucoup de choses. Donc, oui, hier, j'avais appelé parce que j'avais été interpellé donc, par le témoignage de Dominique, je crois, un homme, pour deux choses. Il avait parlé donc de violence féminine, c'est-à-dire violence subie par les femmes. Oui. Et bien, moi, je suis dans ce cas-là, c'est-à-dire que moi, je ne m'amuse pas à taper sur les femmes parce que je trouve ça... dégueulasse, pour appeler un mot. Et par contre, il y en a qui aiment bien me... Enfin, ça m'est arrivé de me faire taper dessus. Alors, c'est pas juste, quoi, parce que j'ai l'impression, si j'avais une carrière de rugbyman, bon, j'adore le sport, mais je suis plutôt fin, mince, etc. Bon. Et peut-être, elles se disent, oh, bah, avec lui, on peut y aller, quoi. Et, enfin... Ça veut dire que ça s'est produit à plusieurs reprises dans vos relations avec les femmes. Oui, ça s'est produit à quelques... Pas tous les 8 jours, mais à quelques... Oui, ça s'est produit. Notamment la première femme avec laquelle j'avais divorcé, là, elle se ruait sur moi. Enfin, c'était... Évidemment, je me défendais. Et comme je me défendais, elle disait que j'étais violent. Alors, ça va, quoi. Je veux bien, je ne suis pas Jésus-Christ. Hein. Si on me frappe sur une joue, je ne tends pas l'autre, quand même pas. Même pas. Donc, c'était arrivé à ce moment-là. Et puis, là, bon, je saute, hop, je fais un grand saut dans l'espace, dans le temps, plus exactement. Et là, il n'y a pas 8 jours, j'ai une nouvelle rupture, on va dire, sentimentale. Apparemment, c'est une rupture. Enfin, bon, c'en est au point que, pour l'instant, c'est, on va dire, au congélateur, si c'est pas plus. Et... ma compagne me dit je vais te taper. À un moment donné, je vais te taper. Je dis, mais ça va pas. Enfin. Et puis, elle était plus loin dans le verbe cette fois. Elle dit, je vais t'étrangler. Bon, je dis, mais elle est folle ou quoi? Et là, elle m'a pas touché. Mais ce que j'ai dit, je lui ai dit d'une façon très péremptoire, on va dire, ne me touche pas. Ça voulait dire que peut-être elle a eu peur. Elle dit, si je. Cogne, peut-être je vais avoir une réaction violente. Donc voilà. Mais quand même, c'était quand même une forme de violence. Hein. C'est la première fois qu'on me dit. Bien sûr. Étranglé. Bien sûr, oui. Alors bon, moi, une menace, bien sûr. Les mots, vous avez parlé ce soir de l'importance des mots. Alors je ne sais pas ce qu'elle a mis derrière ce mot, si c'est. Dans quel sens. Mais c'est vrai que je me sentais, après j'ai réfléchi. Étouffée par elle. Alors, de ce côté-là, elle m'a un peu étranglée, étouffée. Est-ce que, bon, inconsciemment, c'est ce qu'elle voulait dire, j'en sais rien. Mais consciemment, elle voulait m'étrangler physiquement, quoi. Évidemment, je ne me serais pas laissé faire, quand même. Hein, je ne me serais pas laissé étrangler. Mais bon, il y avait ça. Et puis, on peut en reparler, ou je passe au deuxième point. Et vous étiez en couple depuis longtemps avec cette femme? Ben, j'ai près de 3 ans, c'est-à-dire que en ce moment, je passe par des périodes de 3 ans, c'est-à-dire que la femme précédente, je veux que ça dure, moi, je fais tout pour que ça dure, et puis bon, manque de chance, voilà, j'arrive pas à aller plus loin. Et donc, dans cette dernière relation, elle, ça avait démarré très fort, elle avait démarré trop vite, moi, je lui avais dit, d'ailleurs, on se connaissait depuis à peine 15 jours, elle avait dit, j'ai... Elle disait à ses amis, dans sa famille, j'ai quelqu'un dans ma vie.
dis, bon sang, moi, j'en étais pas là. Mais je voulais que ça dure, justement. C'est pour ça que je voulais pas brûler les étapes. Et puis, en fait, bon, ben, ce que je craignais est arrivé, c'est-à-dire que c'était pas assez solide et il n'y avait pas assez de base, quoi. Moi, je vais construire quelque chose de solide et rien ne me reprochait de parler assez vite. On n'habitait pas ensemble. Hein, Oui, mais pour autant, ça ne justifie pas une telle violence, parce qu'après tout, si elle n'était pas satisfaite, si elle trouvait que, au fond, vous ne vous engagiez pas, elle avait toujours la possibilité de partir. Alors, il y a une question d'Osiris là qui arrive par SMS, qui dit qu'est-ce qui vous rapproche de ces femmes violentes ? Ce que veut dire Osiris par là ? Non, mais oui, sa question est intéressante et j'imagine parce que c'est au fond quand le scénario se répète, et c'est-à-dire que vous nous dites avoir vécu des relations à plusieurs reprises avec des femmes violentes, on peut se poser la question, c'est-à-dire comment se fait-il que vous ayez rencontré à plusieurs reprises sur votre chemin des femmes violentes ? Parce que certes, la violence féminine existe, mais elles ont croisé votre chemin et vous avez vécu des relations avec elles. Oui. Ça interroge. De la même façon, je poserai la question à une femme qui rencontre sur son chemin toujours des hommes violents. D'accord. Ou des hommes alcooliques. Je ne fais pas le parallèle, hein, parce qu'on peut être alcoolique sans être violent. Oui. J'ai bien entendu la question, Caroline, sauf que je suis incapable d'y répondre parce que j'allais dire naïvement... C'est pas marqué sur leur front, sur leur visage, qui sont souvent des femmes pas costauds physiquement. Si c'était une femme, j'ai pris l'exemple de rugbyman ou boxeuse, bon, je dirais, ça m'intéresse pas. Ce n'est pas des femmes athlétiques, je veux dire, costauds. Ça n'a rien à voir avec l'apparence physique, vous non, le savez. Non, mais Caroline, tout la ça, violence. Pour vous dire, je ne peux pas deviner à l'avance si elles seront violentes ou pas. Pas à l'avance, bien sûr. Vous n'êtes pas. Il s'agit pas. On parle pas de médium là. Hein. Voilà. Pas à l'avance, mais dans la relation, quand la relation s'installe et que la violence commence à poindre, et dans des traits de personnalité, il y a quelque chose. Certainement, il y a des choses en commun dans la personnalité de ces femmes. Et quelque chose qui vous rapproche d'une figure connue, alors liée à la personnalité de votre mère. Oui, je vais aller vraiment quitte à être simpliste, être une figure de votre enfance, je sais pas quel a été le couple parental que vous avez eu sous les yeux, mais enfin il y a, et on est très loin là des caractères physiques, hein. D'accord. Alors, pas de chance, dans le sens que ma mère était hyper douce et elle ne nous a jamais frappés. Bon, ce n'était pas le cas de mon père. Donc, là aussi, je ne peux pas apporter de réponse. Je ne sais pas si vous en avez, Caroline, mais là, Ah non, j'ai pas réponse à tout. Hein. Oui, heureusement. Non, mais... Non, mais ce qui m'étonne, c'est que quand vous avez appelé au standard, vous dites que vous avez travaillé, puisque c'était ça un peu le sens de votre appel au standard, vous dites que vous aviez un problème de mauvaise image de vous, que vous avez travaillé là-dessus avec un thérapeute, donc c'est pour ça que je suis un peu surprise que vous n'ayez pas travaillé aussi cette question-là de votre rapport avec les femmes. Bonne remarque, c'est vrai que j'ai travaillé beaucoup sur beaucoup de questions, mais pas tellement... Oui, par contre, sur la violence, que j'attirais la violence. Je n'ai pas dit que vous attiriez la violence. Moi, c'est... qui avais employé, Caroline, cette expression devant le psy. J'ai abordé cette question de violence. J'ai dit, je ne suis pas un être violent, mais j'ai l'impression que parfois, et c'est pas qu'une impression, j'ai attiré la violence. J'attire la violence dans des conflits, quoi. Alors là, c'est parfois avec des hommes, pas des relations... amoureuse, je parle de relations comme ça. Je ne veux pas régler un conflit par la violence physique, parce que ça n'amène à rien, de mon point de vue. Donc j'essaye d'en parler quand il y a un conflit. Par contre, je dis des choses. Alors que ça attise la violence, c'est peut-être ça. Je dis des choses qui sont déplaisantes et au sens littéral du terme, qui ne plaisent pas. Et c'est là que ça peut provoquer de la violence physique. Vous pouvez avoir une agressivité larvée. Ben, c'est possible, oui.
Parce que finalement, par peur du conflit, au fond, vous pouvez avoir une forme d'agressivité qui ne s'exprime pas vraiment. Peur du conflit physique, hein, on dit bien. J'ai pas peur du conflit verbal. J'ai peur du conflit physique. Je l'entends. Je suis pas bâti comme un catcheur. Mais vous ramenez tout à... C'est pas une question... vous savez, il y a des petits nerveux, tout secs, qui vont aller au combat, hein. Au combat physique. Et puis des grands... Oui, tout à fait. Pas, vous ramenez tout à cette question de carrure physique. La violence, elle est bien pas de là. C'est autre chose qui est en jeu. Je suis d'accord. C'est au niveau de pulsions que l'on n'arrive pas à maîtriser. Ouais. Ah ben, certainement, il y a des choses que... Oui. Mais c'est pas que je peux être violent verbalement. Enfin, je peux être perçu violent verbalement, certainement. On m'a déjà renvoyé cette image. On m'a dit... Oui. Les mots, justement, ça fait mal. Donc, vous pouvez dire que vous pouvez finalement provoquer... Oui. Les mots peuvent faire très mal, voilà. Ça, je suis d'accord avec vous. Ben oui, oui, exact, c'est vrai. Oui. Mm-hmm. Mais les mots, oui, j'en reçois aussi des mots violents. Hein. J'en donne, mais j'en reçois. Enfin, bon, mais, comme tout le monde, mais... Enfin... Donc... Et qu'est-ce que vous vouliez finalement dire, puisque vous vouliez réagir hier, voilà. C'était... Je voulais réagir, pardon, je vous coupe. Sur deux points, cette question de violence de la part des femmes et effectivement l'image de soi. Et ça m'a fait tilt quand je crois que c'est vous qui l'aviez dit à Dominique. Quand on est très blessé, trop, là c'est moi qui parle, trop blessé par une rupture, c'est qu'on a une mauvaise image de soi. Donc cette rupture-là actuelle me fait mal, me touche, comme j'ai dit à votre assistante. Je me suis senti coulé, mais pas touché. Au jeu de la bataille navale. Touché, mais pas coulé. Il est tard. Donc, je n'ai pas d'envie d'en finir avec la vie. Tu cites, ce qui n'était pas le cas la rupture précédente, j'étais au fond du fond du trou, quoi. Et là, ce n'est pas le cas. Donc, je pense que ça a fait tilt, cette histoire d'image, de meilleure image de soi, le fait d'avoir travaillé en psy. Je prends conscience que s'il y a rupture, c'est pas parce que je suis vilain, pas beau, méchant, pas assez gentil, pas assez doux, pas assez généreux, pas assez ci, pas assez ça. Je suis pas parfait. C'est parce que l'autre personne aussi, elle est en jeu. Hein. Elle cherche quelqu'un qui ne correspond plus ou je sais pas ce qu'elle cherche. Vous voyez ce que je veux dire, c'est à peu près clair ou pas? Pas totalement. C'est-à-dire que, bien sûr qu'il n'y a pas seulement vous qui êtes en jeu, hein. Il y a toujours l'autre dans la relation, mais cet autre aussi, on le choisit, hein, consciemment ou inconsciemment. On y revient toujours. Oui. C'est vrai. Ouais. Moi, j'avais choisi une relation, parce que durable dans le temps, mais... Je sais qu'il y a des couples qui fonctionnent comme ça, on n'habite pas toujours ensemble, on n'est pas toujours ensemble. Hein? Et c'est pas pour ça qu'on s'aime pas et que. Voilà. Mais elle. Mais il y aurait des choses à comprendre si vous êtes toujours en thérapie sur les racines, si vous voulez. Qu'est-ce qui peut se rejouer quand même autour de l'image de ces femmes? Qu'est-ce qu'elles peuvent représenter pour vous? Qu'est-ce qui fait, au fond, que vous êtes dans cette position de domination? Enfin, de domination, où vous êtes dominé? Pas toujours. Enfin, justement, il y a un jeu. C'est un drôle de jeu, un jeu assez pervers, prononçant le mot. Oui, je comprends, vous avez prononcé le mot assez, de jeu. Là, assez sadomasochiste. Voilà, j'en suis pas là quand même. Hein. Mais moralement. Attendez, on pense toujours, quand on parle sado-masochisme, on pense toujours dans le registre de la sexualité. Oui. On oublie que chez les psychanalystes, c'est le sado-masochisme moral. Oui, il y a certainement de ça. Hein. C'est peut-être un peu à explorer. Oui, il y a certainement de ça. Et c'est complexe, c'est très très complexe. Pourquoi on se met dans une position de passivité? Bon, ça demande, c'est compliqué parce que ça renvoie à beaucoup de choses. Et puis, bon, enfin, en tout cas, il y a du travail. Je
veux rajouter quelque chose? Bien sûr, allez-y. Oui, une question, ça peut intéresser aussi pas mal de couples, enfin, bon, d'auditeurs. La question d'argent dans le couple, je pense que ça a déjà été abordé, hein, vous l'avez certainement abordé cette question avec des auditeurs, je ne me souviens pas spécialement, mais si, je crois que ça a été abordé. C'est, là aussi, bon, c'est pas anodin. C'est... Et là, dans ma dernière relation, mon ami avait toujours l'impression d'être lésé. Bon, j'en ai parlé, ça, avec le psy, parce que c'est revenu souvent. Oui. Et là, il me dit, c'est des trucs, c'est des choses qui vous échappent, parce que c'est, ça remonte à l'enfance. À l'enfance, et... Donc, ce n'est pas vous qui êtes en cause, si elle a l'impression d'être toujours lésée, c'est que, parce que, le psy me disait, dans l'enfance, notamment dans les familles nombreuses, ce qui était le cas, chez elle, et chez moi aussi, on a tendance à regarder dans l'assiette, c'est l'exemple qu'il avait dit, dans l'assiette du frère ou de la sœur. Hein. Bon, ah, il en a plus que moi, ou il a une plus belle part, etc. Mmh. Donc, il y avait cette question aussi d'argent qui nous a beaucoup, beaucoup fait de mal. Quoi. Et à un point, mais incroyable. Oui. C'était vraiment pathologique, quoi, cette histoire. Et... Oui. C'est un enjeu de pouvoir aussi. Hein. Oui. Enjeu de pouvoir. Mais c'était comment dirais-je, toujours peur d'être lésé, quoi. Un exemple, par exemple. Oui, bah, vous l'avez donné hein, dans ce que vous dites, oui, par rapport à l'enfance, effectivement, oui, la peur d'en avoir moins, d'être au-delà moins aimé. Et on voit ce qui peut se jouer dans, voilà, les héritages, où parfois les héritiers se disputent pour trois petites cuillères, hein, oui, alors que finalement, derrière cela, on voit bien que ce n'est pas la somme qui est en jeu, c'est la dimension affective. Ouais. De ça, c'est le sentiment d'avoir été lésé, comme vous le dites fort justement, sur le plan affectif. Alors, comme si ça pouvait être compensé matériellement. Voilà. Et alors, on voit des choses assez sordides au fond pour les notaires le disent pour trois petites cuillères. Mmh. Hein. Donc oui, c'est une vaste question, hein, la dimension de l'argent. Là, on pourrait faire deux heures sur le sujet. Ouais. Merci en tout cas, Bruno, d'avoir été avec nous. Merci. Au revoir, chère Caroline. Au revoir. Bonne nuit. Confidence à Caroline Dublanche au 39-21. 39-21, 34 centimes la minute. Voilà qui va donner raison à Sergio qui dit « Oh, moi je pense que en anglais, en maths, en géo ou même en foot, il y a moyen de vous prendre en défaut ». Enfin, je pense, hein. Vous avez entièrement raison, mon cher Sergio. Ça fait déjà pas mal de disciplines, hein. Et on pourrait en rajouter quelques autres. Bonsoir, Mélissande. Bonsoir. Bonsoir. Je vous remercie de prendre mon appel en compte. Oui, je vous en Donc, prie. Donc, en fait, j'ai découvert votre émission parce que j'étais en voiture tout à l'heure lors du témoignage de Nathalie, il me semble que c'est son prénom. Oui. Et en fait, vraiment, ça a fait écho quand elle a décrit ce qu'elle ressentait, le manque d'appétit, plus envie, plus de plaisir à rien. Oui. J'avais l'impression qu'elle parlait de ma mère. Alors, pas du tout pour une histoire de cœur. En fait, il y a un peu plus de deux mois de ça, elle s'est sentie un peu très fatiguée, un peu au bout du rouleau. Pour que vous compreniez bien un petit peu. En fait, ça fait 30 ans qu'elle est suivie, qu'elle a un traitement médicamenteux pour de la antidépression, antidépresseur. Et là, ça fait deux mois que vraiment, elle est vraiment au bout du rouleau. Et j'essaye de lui faire comprendre que je pense pas qu'il y a que les médicaments qui pourront l'aider. Au oui. contraire, j'ai l'impression de la voir dépérir jour après jour. Et j'essaye de lui faire comprendre qu'il faudrait qu'elle fasse une psychothérapie. Mais quand je lui dis ça, j'ai l'impression qu'elle croit que je la prends pour une folle. Et tout à l'heure, je vous ai entendu parler à Nathalie et qui m'a semblé au début très réfractaire à une psychothérapie. Oui. Et j'ai eu l'impression qu'à la fin de votre conversation, vous aviez trouvé des mots et lui faire comprendre que les psychiatres, c'est pas parce qu'on est fou. Il faut pas être fou pour aller les voir. Et non, je me suis dit, peut-être vous pourriez me donner des conseils, comment aborder le sujet avec ma mère,
pour lui faire entendre raison et lui dire que les médicaments, c'est pas tout. Et que son mal-être d'aujourd'hui, ça doit réveiller, parce que je suis retournée chez mes parents suite à des problèmes d'argent. Et souvent, elle est intervenue. Oui. Et là, je pense que ça vient du fait qu'elle peut pas m'aider à l'heure actuelle. Oui. Même si elle m'aide beaucoup en me recevant chez moi avec ma fille, tout ça. Donc, ils font le maximum. Mais je sais pas, elle culpabilise que j'ai perdu mon appartement. Et, oui, et oui, et mais ça, c'est le propre aussi de la dépression. C'est la grande... Il y a un sentiment de culpabilité très fort, hein, énorme, quand on est dans la dépression pour tout. Est-ce que elle est suivie donc par son médecin généraliste? Un médecin généraliste, mais eh oui. Il n'y a pas de communication. Je veux dire, oui, il lui fait sa prescription. Oui. Alors déjà, semble-t-il, elle ne réagit plus bien à son traitement. Non, puisque vous dites que pas. Vous la voyez s'enfoncer, donc vous voyez, parce que il se peut aussi, enfin, parce qu'elle devrait, même avec son, même si elle ne veut pas faire une psychothérapie, ce qui après tout arrive, hein, certaines personnes ne veulent pas faire de psychothérapie, ce qui est leur droit, hein, on peut pas, il s'agit pas d'imposer une psychothérapie, le fait d'avoir un traitement médical approprié devrait lui permettre de ne plus être dans cet état que vous décrivez, c'est-à-dire de plus avoir un intense sentiment de culpabilité, de plus avoir des difficultés à se concentrer, des problèmes soit d'insomnie ou d'hypersomnie, de plus avoir envie de rien, parce que ça veut dire que là l'état dépressif est toujours là, donc elle réagit plus au traitement. Donc on peut changer, d'accord, il y a beaucoup d'antidépresseurs et là, d'accord, on peut changer les molécules. Donc c'est peut-être ça aussi qu'il faudrait déjà commencer à dire à votre mère. D'accord. Et dire que au fond le médecin généraliste ne connaît pas tout ce qu'il y a, parce que c'est pas le médecin le plus approprié. Et dans les exemples que je donnais, c'est-à-dire dédramatiser un peu les choses, c'est malheureusement encore trop souvent aujourd'hui, psychiatre, ça fait peur parce qu'on l'associe à la folie. Or, les psychiatres voient des personnes qui souffrent de dépression, qui souffrent de phobie, qui souffrent d'angoisse, et ce sont eux les mieux placés puisqu'ils s'occupent justement de tous ces troubles psychiques. Ça ne veut pas dire, parce qu'on est en souffrance à un moment donné de sa vie, qu'on est dans la folie. Or, être en dépression, ça peut arriver à tout le monde à un moment donné de sa vie, et les femmes sont particulièrement touchées. Ça ne veut pas dire que les hommes, d'ailleurs, ne sont pas touchés par la dépression. Simplement, eux consultent moins. D'accord. Les femmes font plus la démarche d'aller voir un médecin pour en parler. Les hommes, malheureusement, font moins la démarche d'aller consulter et se réfugient plus dans des conduites addictives telles que l'alcool et se replient beaucoup plus sur eux-mêmes, ce qui est aussi et malheureusement ça peut les pousser à des actes suicidaires d'ailleurs, hein, quand c'est pas repéré. Mais les hommes aussi souffrent de dépression. Mais je pense que nous déjà les femmes on s'écoute plus, enfin. Au niveau de notre corps, on réagit. Les femmes arrivent plus, oui, à aller finalement aller dire, à oser dire, je ne vais pas bien. Tout à fait. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Voilà. Ouais. Pour un homme, c'est plus difficile de dire. Ils sont plus dans l'action, de dire bon. Donc aller dire, aller voir son médecin en disant, je vais pas bien, j'ai tout le temps envie de pleurer, j'ai des idées noires, je suis triste. C'est plus compliqué à dire. Donc déjà, peut-être commencer à dire à votre mère que le traitement n'est plus approprié parce qu'elle ne devrait pas être dans cet état-là. Ah oui, avec ça. C'est vraiment de pire en pire, quoi. Oui, alors il faut déjà changer de traitement et lui dire qu'un psychiatre pourrait faire le point en disant bon, qu'est-ce que vous prenez, quel type de molécule, et essayer, parce qu'il y a vraiment de très nombreuses familles, eux connaissent bien les dernières molécules mises au point, qui peuvent certaines avoir moins d'effets secondaires d'ailleurs que d'autres, parce que certaines font prendre pas mal de poids, d'autres moins. Il y a dernières molécules mises sur le marché qui font prendre moins de poids. Bon, d'accord, pour les femmes aussi, c'est quand même important. Donc, c'est important tout ça. Et là,
peut-être aussi en espérant que cet échange sera bon avec ce médecin, lui pourra aussi, ou elle, selon, peu importe, je dis ce médecin de façon générale, lui dire, bon, est-ce que vous avez un peu parlé de qu'est-ce qui vous arrive? Parce qu'on essaie de voir aussi de quelle façon ça a démarré. Est-ce qu'il y a eu un événement déclencheur à cette dépression? Oui, ou est-ce que ce qui est de meilleur pronostic, vous voyez, quand il y a eu un événement déclencheur, ou est-ce que c'est un mal-être un peu général et que c'est quelque chose de diffus, quelque chose d'un peu chronique, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas traiter et prendre en charge. Et puis à ce moment-là, bien sûr qu'on propose de dire, écoutez, on peut proposer des séances régulières pour amener la personne à parler de cet état de mal-être, de cet état de souffrance. Voilà, d'accord. Avec un suivi assez régulier, parce que c'est un traitement qui nécessite un suivi assez régulier. C'est pas anodin de prendre des antidépresseurs. Exactement, c'est... En fait, depuis 30 ans qu'elle prend son traitement, je pense mais que c'est fou. Tellement de... C'est voilà. fou. Mais là, c'est là où il y a un problème, vous voyez, parce que il y a quelque chose... Donc le médecin lui prescrit depuis 30 ans, il renouvelle les ordonnances. Tout à fait. Bah oui, voilà, mais là, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème, parce que si vous voulez... je suis désolée, ça devient comme quelque chose de chronique. Alors tous les mois, on voit le patient, lui renouvelle son ordonnance. Non. Voilà. Non, parce que ça a l'air de dire que comme si c'était... Ben oui, mais là, c'est même scandaleux. Voilà, exactement, et c'est même pour ma mère, c'est comme si elle ne pouvait pas se guérir, alors que même en prenant ce médicament, elle allait bien. Enfin, ma mère fait beaucoup de manuels, elle s'occupe des gens, c'est vrai qu'elle a beaucoup d'empathie, donc elle s'occupe, elle fait plein de choses. Et enfin, là, Oui, c'est-à-dire que c'est... Dépérir comme ça, elle fait plus rien. Elle cuisine parce qu'il faut cuisiner. Elle fait les choses parce qu'il faut les faire. Mais oui, non, mais visiblement, il y a une résistance. Enfin, c'est-à-dire que le traitement ne lui fait plus effet. Et puis de toute façon, là, je suis désolée, on prescrit pas un tel traitement. Les antidépresseurs, enfin les 30 c'est ans bonbons, comme. C'est clair. Mais c'est pas des bonbons, exactement. Tout à fait. Non, mais c'est clair. Moi, je suis totalement d'accord avec vous. Et c'est vrai que pendant très longtemps avec ma mère, on n'a pas eu de dialogue. Et donc, depuis que je suis. Voilà, moi j'ai 30 ans, donc je suis née, elle prenait des cachets. Donc pour moi, c'était normal. Et bon, en vieillissant, je me rends compte que c'est pas normal qu'elle prenne des antidépresseurs comme ça. Et là qu'elle va vraiment pas bien, je sais que c'est le moment où elle devrait pouvoir m'entendre et m'entendre lui dire, enfin me donner raison quand je lui dis que c'est pas normal et que une psychothérapie, il n'y a que ça qui pourra l'aider parce que elle a un vécu derrière elle qui est lourd à porter. Là, il y a dû y avoir un élément déclencheur, peut-être mon retour, peut-être je n'arrive pas à l'aider, mais il y a quelque chose qui a fait que, et là je voudrais vraiment qu'elle se fasse aider. Et c'est pareil, prendre un rendez-vous chez un psychiatre, alors est-ce qu'il faut dire que c'est urgent? Mais je me suis renseignée, c'est pas avant 3 mois. Pourquoi? Mais dans 3 mois, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de rendez-vous avant 3 mois. Vous êtes dans une petite ville? Dans un petit village, oui. Et donc les villes attenantes, c'est pas avant 3 mois. Mais dans 3 mois, ma mère, enfin je me dis, dans quel état elle sera, quoi. Donc c'est... 3 mois, c'est horrible, quoi. Ah bon, il y a 3 mois d'attente? 3 mois d'attente, alors je me dis, si je lui expliquais la situation, est-ce qu'il ne pourrait pas débloquer? Parce que je me dis, 3 mois, je ne pense pas qu'elle soit suicidaire, mais vraiment, de la voir comme ça, c'est horrible, quoi. En plus qu'elle travaille, elle s'occupe d'handicapés, donc... Oui, elle n'est pas forcément... Elle n'a pas des idées noires, elle n'a pas de... Non, c'est beaucoup d'angoisse, des peurs injustifiées, en plus, des peurs... injustifiées, qui sont pas, qui n'ont pas lieu d'être... Vous pouvez quand même essayer, enfin, voir avec le... Il faudrait que ça soit elle, parce que ça serait mieux que ça soit elle qui prenne le rendez-vous. Je me doute. Mais 3 mois, c'est énorme. Il n'y a pas possibilité. Il n'y en a pas beaucoup dans là où vous êtes. Il n'y en a pas beaucoup. Et tout partout où j'ai appelé, parce que j'ai appelé même les hôpitaux. Les hôpitaux, oui. Les hôpitaux, ce qu'on appelle l'HP, tout ça. Oui, on m'a dit, c'est 3 mois d'attente. Oui.
Et en libéral, c'est 3 mois aussi ? Je me suis pas renseignée sur le libéral. Ah, mais renseignez-vous sur le libéral. Voilà, ah, mais je croyais que c'était en libéral, moi, non, ça m'étonnait. Non, c'était dans les hôpitaux. Parce non, que alors oui, mais libéral, les hôpitaux, les hôpitaux, ça m'étonne pas que ça soit 3 mois. D'accord. Donc, non, essayez de voir en libéral. Ça m'étonnait vraiment qu'en libéral, ça soit 3 mois. Hein. Non, mais c'est pour ça que. D'accord. Non. Alors appelez en libéral. Parce que c'est vrai que je ne suis pas très renseignée sur le sujet. Non, alors rappelez, oui, parce que ça m'étonnait libéral, quand même. Alors je me disais, bon, il n'y en a peut-être pas beaucoup hein, dans là où vous vous trouvez. D'accord. Oui, à l'hôpital, malheureusement, les délais c'est d'attente sont longs. Mais demandez, regardez, renseignez-vous, voir les psychiatres, appelez-les à leur cabinet. D'accord, au cabinet, d'accord, très bien. Oui. D'accord. Et puis peut-être que vous pouvez aussi... lui offrir le livre. Alors le titre peut paraître comme ça assez provocateur, je sais pas comment, mais c'est un très beau livre sur la dépression. J'avais d'accord. reçu son auteur et ça s'appelle La dépression, une maladie ou une chance, c'est un point d'interrogation. C'est de Moussa Nabati. N-A-B-A-T-I. Oui. Nabati, Moussa, Mou2sa, c'est son oui. prénom. C'est un psychanalyste, c'est paru aux éditions Fayard. Et il a donc écrit à partir de son vécu de psychanalyste. Oui, oui, oui. Et alors, évidemment, toutes les situations cliniques qu'il évoque, ce sont des femmes. Je lui avais posé la question parce qu'il m'avait expliqué que majoritairement, ce sont les femmes qui consultent. Et quand il évoque sa maladie ou chance, parce qu'il explique que à travers ce qui est vécu évidemment de façon très douloureuse, ça peut être l'occasion aussi de réparer cet enfant intérieur que l'on a en nous et qui est très blessé. Hein. C'est-à-dire qu'il y a, il y a quelque chose de en fait très très blessé, très meurtri qui s'exprime comme ça à travers la dépression. Et c'est un livre qui est très accessible, qui est bien écrit. Je veux dire, c'est pas abscons, hermétique, vous voyez, qu'on ne peut pas comprendre. Hein. Je veux d'accord. dire, c'est des situations cliniques qu'il évoque, des cas très concrets. D'accord. Et qui est c'est un livre porteur de beaucoup d'espoir. Ah ouais. Donc peut-être que ça dans peut, un temps, dans peut-être un premier temps, oui, amener votre mère un peu à réfléchir. Tout à fait. Oui, hein, apporter une autre image. On doit se quitter, Mélissande. Oui. Eh ben, en tout cas, je vous remercie beaucoup parce que vraiment. Je vous en prie. Qu'on se quitte, tant mieux si vous vous sentez je un peu soulagée. Ouais, merci. Merci beaucoup. Au revoir, Mélissande. Au revoir. Au revoir. Je vous souhaite une belle nuit, faites de jolis rêves. Il est maintenant 1h.